J'ai regroupé toutes les données des cryptarques au sujet du temple de Kroptar. Écoutez. Jadis, la lune tomba aux mains de Kropta, dont l'épée était capable de détruire la lumière. À présent, Kropta dort, mais son épée, elle veille encore. Les arcanistes croient qu'elle est gardée par les princes de la nuée. Si vous parvenez à la récupérer, nous ferons en sorte que plus jamais elle ne soit brandie. La seule manière de détruire l'épée est de tuer ses créateurs, les princes de la nuée. On dit que l'un d'eux garde le site d'un rituel, près du gouffre des enfers. Commençons par lui. Le site du rituel est droit devant. Il y a des ennuis dans l'air.
C'est ici que nous le trouverons. J'espère que vous êtes prête. De moi. Je vais nous conduire jusqu'aux autres. Sans vouloir vous faire peur, j'ai repéré l'épée près de la lumière des gardiens qu'elle a tuée. C'est un peu plus bas. L'épée n'est pas loin. Je sens son aura. «
Éliminez-les. Prenez l'épée. Ça devrait les forcer à se montrer. Attention, elle est dotée d'une force obscure. Il y a du mouvement tout autour de nous. Les princes de la nuit sont là pour l'épée. A disparu. Vous les avez tous tués. On dit que c'était l'une des armes les plus puissantes jamais brandies contre nous par la ruche. Les cryptarques n'en croiront pas leurs yeux.